là en demi, vous allez affronter G2. C'est quoi l'état d'esprit pour l'instant là ? On se met lentement et sûrement dans le match. Ils ont fait le premier upset de la dernière en battant VP assez sèchement, honnêtement. C'est un match piège, on le sait, et si on les sous-estime pas et qu'on joue comme on doit jouer, ça devrait bien se passer. Petite indication, vous avez déjà pensé au veto ? Vous allez jouer train si vous pouvez ou vous allez l'éviter direct ? On a déjà pensé au veto, on pense qu'ils vont prendre DD ou train, et de notre côté, nos veto se situent autre part. Ok, pas de soucis. Un petit mot peut-être, hier on a vu s'ils ont gagné, enfin on a vu que vous étiez très fort sur cash contre Fnatic. Eux ils ont été assez bons aussi sur cash contre VP, notamment avec un JKM on fire. Si t'avais à les jouer sur cash, tu saurais comment les jouer ou t'aurais une petite idée de comment les prendre? Oh non, honnêtement on jouerait notre jeu et je pense qu'on a un jeu assez universel et que il marche contre la plupart des équipes, donc on n'est pas une équipe qui joue à l'antistrat ou quelque chose comme ça, on va juste jouer notre jeu. Ok, impeccable. Et donc, si tout se passe bien, donc on devrait vous retrouver en finale. De l'autre côté, il y a une petite chance aussi de voir NiP en finale. Ça ferait un peu revanche de l'ancienne line-up LDLC contre NiP de la dernière DreamHack Winter. Tu n'étais pas dans la line-up, mais est-ce que pour toi, ça serait important de retrouver NiP en finale ? Bon, déjà, il faut battre G2. Mais en l'occurrence, c'est sûr que même moi... Le mec qui s'est fait un peu voler tous ses top 1 par NiP pendant 2 ans, j'ai à cœur de les battre en finale sur un tournoi comme ça. Donc NiP en finale, ouais, franchement, ce serait cool. Eh ben super, ben on va vous laisser apprécier le petit moment de préparation. Là, vous savez quand est-ce que vous montez sur scène ? Non, mais ça va pas tarder. Là, ils sont en train de brancher nos stuff et tout, donc ça va pas tarder. Eh ben, bonne chance pour le match. Merci.